And then the best one would do a notable ensemble. Vous donne un petit peu le coup de cœur, c'est un autre coup de cœur, comme on met les instruments. Est-ce qu'elle est dans la race en général? Est-ce qu'elle vous donne envie d'acheter? Comme dirait Annelies, l'une des juges, elle se présente bien. Et ça, c'est un autre coup de cœur. Et tout ça pour une note sur 50 qui donne un rappel. Donc, c'est la seule catégorie de chemin que vous allez avoir à frapper. Donc, le classement, finalement, le stress, et là, c'est pour les trois éleveurs. Avec le premier, le deuxième, le troisième. Se présenteront vous le numéro 3, Yes de Oui, appartenant à l'élevage brillant. Une première participation au salon de l'agriculture pour cet élevage et le vieux de la Mayenne. Alors il faut savoir que cette jument a la particularité, c'est que le propriétaire ne voulait pas forcément venir sur l'agriculture, mais c'est pas. Il se demandait vraiment à quoi s'attendre, et c'est les deux loustiques qui sont là sur le pied. Oui, t'inquiète pas Michel, on va s'en occuper. Donc Romain la présente, Michel est venu lui au fouet et ils ont motivé les couleurs pour venir. Parce que venir à Paris, c'est avoir une Parisienne chez soi. Dans 10 ans, on dira toujours, tiens, c'est la Parisienne. C'est quelque chose qui est important dans un élevage. Quand on monte jusqu'à Paris, c'est que c'est très important au sein d'un élevage. Cette pouliche à laquelle on a été dévoré par Vincent. Qui est le cas, je vois tout à l'heure. Et elle est montée tout au long de la semaine par lui. Elle est donc présentée sous la salle de la présentation de masse. C'est une jument paumée avec une paumée qui commence également à s'effacer avec des jambes un petit peu grises, un peu plus foncées comme ça, mais on sent que d'ici 3 ans, la couleur va s'estomper. Alors, la note n'est pas forcément au propos, mais dans le culé, à très clair, tout ça. Mais il est important de garder toutes les modes de travailler à la mode, puisque peut-être que dans 10 ans, la mode va vous dire d'avoir des chevaux plus. Alors, toujours à monter, on a toujours une tendance un petit peu au galop. Et vous avez vu, le plus plaisant quand on présente, c'est de lâcher plus ou moins la corde. Et nous, en marche, c'est différent des autres races.
chacun sa technique. Vous avez dans notre race, on est toujours collé à l'épaule. On regarde beaucoup la jument à côté de soi. Quand le chien aussi la baisse, on a tendance à laisser aller la jument, à aller soit devant elle, guider, soit aller vraiment sur le côté et la laisser faire quand elle a l'habitude.